Justement, parlons de sécheresse et de chaleur. Lyon enregistre des records de température en ce mois d'octobre du jamais vu depuis 2013, où on s'approche du record de chaleur de 28,4 degrés qui avait été établi le 5 octobre 1966. La conséquence, c'est que les habitants et les touristes en profitent. Et c'est ce qu'a constaté l'un de nos correspondants sur place, Laurent Humbert. Rue Saint-Jean dans le Vieux-Lyon, les touristes flânent au soleil. Personne ne croirait que nous sommes à la fin du mois d'octobre. Sarah, 23 ans, se réjouit du beau temps. Il fait super beau, ça fait du bien. Il y a pas mal de gens, pas mal de monde, c'est agréable. Ça fait plaisir de voir du monde, même juste dans la rue. Tous en t-shirt, tous en short. L'ambiance est meilleure, quand il fait beau, les gens sont toujours plus heureux. Place Bellecour en terrasse, tout le monde profite de cet été indien. Clarisse est serveuse et elle est surprise par la météo. On ne s'attendait pas à avoir de chaleur estivale comme ça. Parce que le mois d'octobre de l'année dernière, les intempéries étaient un peu présentes, il ne faisait pas très beau. Donc on avait moins de clients forcément, donc moins de clientèle, moins de chiffres. Quand il fait très très moche, quand il pleut, quand il y a du vent, les gens sont beaucoup plus pressés, beaucoup plus, je dirais même aigris des fois, ouais. Là, c'est les vacances, donc s'il fait beau pendant les vacances, évidemment, ils prennent leur temps, ils sont là pour s'amuser, boire un petit verre, quoi. Ce week-end, Météo France prévoit encore 25 degrés dans le Rhône. Lyon, Laurent Humbert, Europe 1.